Voici comment les Japonais utilisent ce fruit pour maigrir. Après le livre Banana Diet sorti au Japon, ce fruit est devenu l'aliment phare pour les personnes souhaitant perdre du poids. Ce livre raconte l'histoire d'Hitoshi Watanabe, un Japonais, qui, à l'aide de ce régime, a perdu 8 kg en seulement quelques mois. Watanabe en est désormais sûr, pour perdre du poids, il suffit de remplacer le petit déjeuner habituel par une banane et de l'eau. Il ajoute que cette combinaison permet d'accélérer le métabolisme, et que ceux qui adoptent ce régime peuvent perdre du poids tout en consommant ce qu'ils veulent au déjeuner et au dîner. Les bananes pas mûres contiennent de l'amidon, ce qui favorise la satiété. En conséquence, le processus de combustion des graisses est plus intense, soit 30% plus rapide. De plus, l'eau favorise la digestion et réduit la faim. Voici les règles du Morning Banana Diet. Le petit déjeuner se compose d'une banane et d'eau. Vous pouvez manger une grande banane ou deux bananes moyennes. Les bananes doivent être fraîches et pas mûres. L'eau doit être à température ambiante. Le déjeuner et le dîner. Prenez les repas que vous consommez d'habitude, mais il est recommandé de suivre quelques règles simples si vous souhaitez perdre quelques kilos supplémentaires. Ne jamais manger jusqu'à la satiété. Il est préférable de quitter la table lorsque vous sentez qu'environ 4-5 de votre estomac est plein. Ne mangez jamais après 20 h. Le moment idéal pour le dîner est 18 h. Si vous avez faim après le dîner, mangez un fruit ou un yaourt. Pendant le déjeuner et le dîner, évitez le dessert. Si vous voulez manger quelque chose de sucré, prenez des fruits. Favorisez la consommation d'eau tout au long de la journée. Il est préférable de boire l'eau à température ambiante. Ne buvez rien pendant les 30 minutes qui suivent un repas. Vous pouvez prendre un thé, un café ou un jus pour vos collations. Les avantages de ce régime alimentaire. Perdre du poids sans activité physique. Les inconvénients de ce régime alimentaire. Malgré l'efficacité de ce régime, certaines personnes ne perdent pas de poids même en diminuant les hydrates de carbone, en particulier les personnes hypoglycémiques.